C'est parti pour un tour en agglomération. Hey, salut tout le monde, c'est MatMat le cheater. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Wonder Cube. Donc j'espère que vous allez bien, moi que ça va super bien. On peut observer dans ma main un objet assez swag, puisqu'on ne peut pas l'avoir en survie et pourtant je l'ai. D'ailleurs vous voyez que je n'ai pas de barre d'inventaire, donc c'est que je suis en créatif. Et oui, je suis en créatif. Non, je rigole, je suis en survie et j'ai une potion d'XP. Vous allez vous dire, oh mon dieu, quel cheater! Mais en fait, eh oui, j'ai un stack d'émeraudes aussi, mais ça c'est un peu moins important. Donc on se retrouve dans notre grotte à exploitation de villageois. Donc ouais, on a pas mal de petits mecs à exploiter. Ouais, bon, évidemment, je ne suis pas un cheater. J'ai eu cette fiole d'expérience grâce à ce mec. Non, c'est pas ce mec. Au revoir, ce mec. Peut-être ce mec. Ah oui, c'est lui. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Alors, depuis qu'on a fait l'usine à reproductrice de villageois, j'ai eu pas mal de villageois. D'ailleurs, il y en a encore plein ici. D'ailleurs, les bébés, ils peuvent s'échapper là, mais ils finissent toujours par rentrer dedans. Je sais pas pourquoi. Donc alors là, il y a des rails un peu partout parce que j'ai pas encore rangé. Mais alors, j'ai fait plusieurs stations de villageois où on va stocker nos villageois. Donc déjà, j'ai un stack et deux émeraudes. Donc je vais vous montrer vite fait les trades que j'ai pu obtenir avec eux. Donc déjà, ce système, c'est... Non, je vais vous expliquer déjà le système. C'est un système pas très compliqué avec des rails qui permettent de remonter les villageois jusqu'en haut. Donc par exemple, imaginons... Ah, j'aime bien ce villageois, mais j'ai plus besoin de lui. J'en veux un autre. Hop, on prend lui et vous voyez que normalement derrière l'autre est en train de remonter et du coup bah il retombe en haut. Alors ça c'est super simple, c'est avec un petit système de avec des rails et aussi on a un autre système qui permet que si on appuie sur l'autre bouton, ça il y a un piston qui pousse le villageois parce que là il est sur une trappe en fait. Et ça l'emmène sur ce rail, il arrive sur un éjecteur rail qui est ici, qui permet de l'éjecter de ce côté dans la lave pour qu'il meure. Et on a un système qui récupère les rails, donc là-dedans, enfin les minecarts. Je ferai un système qui les ramènera tous au même endroit, parce que c'est pareil de l'autre côté. Ah non, de l'autre côté j'ai oublié de mettre un minecart. Donc. Et voilà, donc on a plusieurs stations de tri des villageois, on en veut un autre. On lui passe au-dessus, lui il sert à rien, on le fait brûler. Bon, je ne vais pas vous faire de démonstration parce qu'ils me servent tous. Donc je vais vous montrer quelques trades que j'ai obtenus. Alors déjà, le boucher. Vous voyez, j'ai rien avec lui pour l'instant. Mais il va peut-être me servir. Là, j'ai un bibliothécaire. Donc, il m'a donné un livre Châtiment 5. Donc pour 57 émeraudes. Pas du tout cher. Donc ça m'étonnerait qu'on le prenne un jour ce livre. Parce que 57 émeraudes, c'est assez énorme. On peut avoir une émeraude pour 8 livres, donc ça ne sert à rien. 11 émeraudes pour une boussole, ça sert à rien. 4 émeraudes pour des bibliothèques, je me suis arrêté là parce que je pourrais aller plus loin, mais je suis pas forcément allé plus loin parce que j'avais pas trop envie. 4 bibliothèques, 4 émeraudes pour une bibliothèque, c'est pas mal. Parce que les bibliothèques, c'est quelque chose d'assez chaud à obtenir vu qu'il faut pas mal de livres. Donc on peut les avoir assez facilement avec les villageois. Donc là, on a un prêtre. Qui permet de nous faire gagner plein d'émeraudes hyper facilement avec de la chair putréfiée. 10 or contre une émeraude, ça sert à rien. Une émeraude contre deux redstone, ça sert à rien. Une émeraude contre un lapis, ça sert à rien. Là, 8 émeraudes contre un œil du néant, c'est pas mal, ça peut servir. Une émeraude contre une glowstone, c'est aussi pas mal si on a la flemme d'aller dans le nether. Lui, c'est 10 émeraudes pour une fiole d'XP, donc c'est plus cher que celui de tout à l'heure. Donc on en prend un autre, lui, il est moins cher en papier. Donc et il nous donne un livre Infinité 1 pour un livre et 12 émeraudes, donc c'est pas du tout cher, lui il est vraiment pas mal. Après 4 émeraudes pour une bibliothèque, après il est assez basique. 2 livres écrits pour une émeraude, je sais pas trop à quoi ça sert. Et
pour 38 émeraudes, donc c'est vraiment assez cher quand même. Il nous donne un livre fortune 3, donc c'est quand même pas mal. Et lui, on l'a déjà vu, celui qui nous donne pour 8 émeraudes une fiole d'XP. Donc après, on a lui qui nous donne un livre protection contre les projectiles 2, donc ça sert à rien parce que c'est hyper cher. Pour rien, lui, il nous donne pour 3 émeraudes une bibliothèque, donc ça c'est assez cool. Après, il nous donne les traits des autres. Et un livre aura du feu, hein, pas du tout cher. Donc si on veut se faire un petit aura du feu 2, c'est assez rapide et assez cool. Là, on a à peu près les mêmes traits que tout à l'heure. Hop. Là, on a un livre Infinité 1 encore. Je crois qu'il est moins cher que l'autre de tout à l'heure. Encore 3 émeraudes pour une bibliothèque. On en prend un autre. On a un mec qui nous donne... Ah, pour 4 émeraudes, lui il est beaucoup beaucoup moins cher. Deux fois moins cher que les autres. Pour 4 émeraudes, on peut avoir une fiole d'XP. Bah vous savez quoi, je vais vous démontrer le système avec lui qui ne sert à rien. Hop. Ok. D'accord, merci de bien illustrer mes propos, jeune Padawan. Bon, je pensais que t'étais sympa, mais en fait pas du tout. Je sais pas pourquoi ça a pas marché. C'est très bizarre. Bon, je vais essayer de vous faire une démonstration avec un autre du coup, mais je sais pas, ça marche tout le temps d'habitude. C'est peut-être parce qu'il faut que je mette un bloc ici, je crois. Ouais, ça devrait marcher maintenant. C'est bizarre. Bon, d'habitude ça marche. Ça m'avait jamais fait ça en plus. Donc un livre protection contre les projectiles 2, lui on l'a déjà vu. Ouais, du coup on les a tous vus ici. Là on a un armurier, donc lui il est cool. 18 charbon pour une émeraude, c'est pas mal. 6 émeraudes pour un, qu'est-ce qu'on faire ça sert à rien. Ça c'est un trait vraiment cool vu qu'on peut l'avoir gratuit, vu qu'on a autant de fer qu'on veut. On peut avoir du stuff fer, 4 diamants contre une émeraude, ça sert à rien. 17 émeraudes pour un plastron, diamants, protection contre le feu 1, solidité 2, épine 1, c'est vraiment pas mal. Ça permet surtout d'avoir du épine, et moi je voudrais bien du épine sur tout mon stuff. Du coup ça me ferait dépenser pas mal d'émeraudes. Et on peut avoir un full stuff my, donc lui je l'ai pas mal amélioré. Hop, après on a lui qui donne un livre agilité aquatique 2, donc ce qui est vraiment pas mal aussi, vu qu'avec deux livres on peut se faire pas mal de choses. Et lui un gars qui va nous être sûrement très très utile, le forgeron. Donc on peut déjà avoir une pelle en fer solidité 2, ça nous intéresse pas trop. Voilà, du fer contre des émeraudes. Des amoureux contre une pioche en fer efficacité 2, ça sert à rien. Et surtout ce qui nous intéresse c'est ce trade que j'espère avoir en moins cher. Donc je pourrais avoir des émeraudes contre des pioches en diams. Donc là solidité 2, efficacité 2, c'est vraiment super. Ça nous permettra de réparer des pioches en diams. Ce qui est assez cher parce qu'il faut souvent réparer des pioches en diams. Voilà, là on a un tanner. Alors lui je vais vouloir le tuer. Vu qu'il ne sert à rien, on va essayer. Alors si je fais ça, non c'est ça. Ouais, vous voyez, c'est... Ah, en fait, ouais, j'ai compris. Voilà, donc au revoir. Il faut reboucher ici. Voilà, parce que vous avez vu qu'il a, au lieu d'être TP ici, parce que c'était le... En fait, là, il avait un endroit pour se TP ici en sortant du minecart. Et maintenant, vu qu'il va plus en avoir, bah du coup, il va être obligé de se TP là où il y a la lave. Donc du coup il va mourir. Bon, je vous referai le, je vous remontrerai une autre fois. Donc là on a le fléchier qui nous donne des trucs un peu nuls en fait. On a l'armurier, je crois qu'on l'a déjà vu. Ouais, donc voilà, on a fait le tour, c'était assez long. Ici je voulais faire un, on va refermer, une usine à carottes. Je vous ai pas montré parce que ça marche pas. L'usine à carottes ou à patates ou à blé de Matox, donc avec les deux villageois. Mais elle ne marche pas, alors j'ai détruit toutes les carottes qu'il y avait. Parce que ce mec reste là à faire des allers-retours pendant des heures. Et il fait rien d'autre en fait, il est censé ramasser les carottes et en planter. Je lui ai donné un stack et tout, mais le mec il veut strictement rien faire. Donc vu qu'il fout rien, bah je vais refaire l'usine un peu plus loin, il est peut-être perturbé par... les villageois qui sont là, j'en sais rien. De toute façon, vas-y, on va lui laisser faire sa vie. Hop. Attends, juste pour bloquer ça, voilà. Ouais, du coup, je sais pas du tout ce qu'il fait. Et aussi, j'ai fait une usine à canne à sucre, donc j'ai fait pas mal de choses en off sur les villageois. Mais je vous ai pas montré parce que... bah, ça marche pas. L'usine à carottes, elle marche pas, et c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Et vu que ça marche pas, ça sert un peu à rien que je vous montre. Donc là, je fais un petit système tout bête. Ah, d'accord. J'ai tout cassé.
Bah bravo. Hop, là. En plus j'utilise des blocs de granit dégueulasses. Donc alors, pour expliquer vite fait, je posais ça. On a, ouais, ça a récolté pas mal. Ça me permet de faire des échanges avec les villageois de papier. Donc alors, on a un minecart qui se balade et en fait ça marche sur un bud. Donc à chaque fois qu'un bloc, qu'une canne à sucre va pousser ici, hop, ça va casser toutes les cannes à sucre et le minecart va tout récupérer. Bon, par contre, il y a des pertes, mais on s'en fout vu que la machine elle est grosse et que de toute façon ça produit déjà hyper beaucoup. Donc on s'en fout un petit peu. Normalement, il y a un peu moins de pertes que ça, mais bon. Bref, c'est assez cool. Donc en fait, c'est juste des pistons qui cassent des cannes à sucre. Une fois qu'une canne à sucre pousse ici, en fait, ça update le bloc qui est alimenté par. Ah, je suis bloqué. On va faire ça, ça, ça. Donc, il est alimenté, il est buildé par ce bloc de redstone. Et donc, à chaque fois qu'il y a un, ça va update, donc dès qu'il va y avoir la canne à sucre qui va pousser, ça va le faire, ça va l'update. Et donc, il va s'étendre. Et du coup, il va, vu qu'il va pas être alimenté, bah, il va se remettre normal. Et le bloc de redstone, il va allumer ça. Et du coup, il va alimenter tous les pistons. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez que plus d'informations, encore une fois, vous me demandez dans les commentaires. Voilà. Donc du coup, le minecart hopper ramasse tout et nous, du coup, on se fait plein de choses. Donc alors, attendez. Juste regarder un truc. D'accord, voilà, c'est bon, c'est juste Skype. Il n'est pas rentré dans son enclos, notre ami. Bon, il va re rentrer tout seul normalement. Donc, je vais refaire la même usine assez loin. J'hésite à la faire avec vous, en fait, parce que je m'en rappelle plus exactement. Donc, je vais la faire en off et je vais vous expliquer comment elle marche une fois que j'ai terminé tout ça. Donc, on se retrouve plus tard, une fois que tout est terminé. Et re tout le monde, on se retrouve alors beaucoup beaucoup de temps plus tard. Il s'est passé énormément de choses depuis la dernière fois, puisque déjà pour vous expliquer, je sais pas si vous avez déjà vu, mais non, je crois que vous avez pas vu. Mais entre-temps, mon armure a été à 1 de durabilité, du coup j'ai dû la changer. Je vais décaler mon micro, voilà. J'ai dû la changer, enfin la mettre dans un coffre comme ça, à 1.9, je mettrai du mending dessus. Et je la réparerai, mais pour l'instant, bah, du coup, je reste comme ça. Donc, il s'est passé une semaine entre l'ellipse. Ouais, pour vous, ça aura duré une seconde. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Non. Et du coup, pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà, on avait 3 épisodes d'avance sur Wonder Cube, donc. Vu qu'on avait 3 épisodes d'avant, je me disais la 1.9 sort bientôt. Donc quand je voudrais faire une vidéo assez rapidement dès que la 1.9 va sortir. Ouais, une vidéo dès que la 1.9 va sortir, bah au moins il n'y aura pas tellement de temps d'attente vu que on n'aura pas 3 épisodes de retard. Alors attendez, je reviens vite fait. Ok, excusez-moi. Donc, ouais. Du coup, vu qu'on avait des épisodes d'avant, j'ai essayé de perdre du temps en fait. Que, du coup là il y a encore 2 épisodes et on sera rattrapé. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait en attendant? Alors déjà j'ai fait la déco tout ici, jusque là-bas j'ai pas fait. Donc par contre ça bug ici. Enfin ça bug pas, mais c'est moi qui bug parce que je fais des trucs avec mon disque dur. Du coup ça me prend. Enfin ça me fait bugger un peu. Donc bref, là on a l'usine à canne à sucre qui est un peu décorée, qui a pas mal récolté. Donc là il y a mon stuff. Et aussi j'ai 56 blocs d'émeraude et 5 émeraudes, vous allez voir pourquoi. Parce que enfin, vous avez sûrement déjà vu. Alors en plus j'en ai mis là des blocs d'émeraude parce que je suis trop riche. On a autour de nous 50 villageois. 50 villageois donc avec qui on peut échanger. Et vous avez vu que j'ai mis, oula, des numéros sur chaque à certains endroits. C'est le nombre de bibliothécaires que j'ai pas encore échangé avec eux. Donc j'échangerai avec eux pendant la 1.9, comme ça je pourrais avoir du mending. Donc j'ai à peu près 10 villageois bibliothécaires avec qui je peux échanger. Alors attendez, on va faire ça, voilà. On va mettre un peu plus fort. Ouais, du coup j'ai à peu près 10 villageois avec qui je peux échanger.
J'ai fait exactement le même système qu'ici, je sais pas si je vous l'ai montré. Je sais plus du tout. Là j'ai un villageois qui s'est échappé ici, bon, je sais pas ce qu'il fout. Nice, on a encore un bibliothécaire ici que je vais pouvoir faire venir avec les autres. Du coup c'est un peu le bordel hein, derrière, mais bon c'est pas très important. Donc là c'est ouvert pour que je vois les villageois qui arrivent, parce que tous les villageois qui arrivent là. Donc voilà. C'est cool. Du coup on a plein de villageois avec qui on peut échanger. Donc lui on n'a pas encore échangé avec lui. Il a un livre au ras du feu. J'ai plein de villageois assez cool. Donc là j'ai décoré. Ici avant il y avait le comment ça s'appelle? Bah je voulais faire l'usine à carottes, mais finalement je l'ai déplacé comme je vous avais dit. Et ici j'ai fait une micro-usine à cactus. Donc je vais vous montrer. C'est vraiment tout petit. En gros, on a des blocs de sable avec de l'eau en dessous et des cactus au-dessus et une dalle en dessous aussi parce que sinon le sable tombe. Et on a des barrières juste à côté comme ça. Dès qu'un cactus pousse, il est cassé par la barrière parce que les blocs ils sont à côté et les cactus ils peuvent pas se mettre à côté d'un autre bloc. Ça casse et ça tombe dans l'eau, on récupère. Alors c'est pas du tout, du tout, du tout. Là, il y a même ma salle des coffres en plus. C'est pas du tout la méthode la plus optimisée, mais ça marche très bien. Et de toute façon, j'ai pas besoin d'une quantité énorme de cactus. C'est une ferme très très simple et pas la plus optimisée. Vous tapez tuto usine à cactus sur internet et vous allez trouver plein plein de choses. Là, c'est une ferme version minuscule. Donc voilà. Après ici, donc j'ai pas encore décoré parce qu'ici, je pense que je vais mettre quelque chose. Mais je sais pas quoi, ici je mettrais sûrement une usine à pastèque, ici une usine à citrouille. Ici donc on a nos deux usines. Là, celle à carottes. Donc c'est exactement comme la dernière fois. Enfin le même système que la dernière fois. J'ai pas encore décoré l'intérieur. Je le ferai sûrement. Donc alors en fait, pour vous expliquer vite fait, je sais pas si je l'avais expliqué. Et en fait là-bas ça marchait pas tout simplement parce que le villageois était trop loin. Je m'étais trompé d'un bloc. Donc voilà. Je sais pas si c'était à cause de ça, mais de toute façon ce villageois qui était là, il se déplaçait comme ça. Enfin c'était bizarre. Donc alors ce villageois, le farmer hein, qui est ici. Tant qu'il a cette tunique là, c'est qu'il peut récolter. Donc farmer, pêcheur, berger et je sais plus, mais il y en a d'autres. Donc en fait dès qu'il voit une carotte qui a poussé, il va la casser et la replanter, il devrait voir celle-là bientôt. Vas-y, tu peux le faire. Et donc il va casser toutes les carottes, voilà, et les replanter. Voilà, donc il l'a replanté. Il va vouloir les donner à son pote. Pas tout le temps parce qu'il faut qu'il en ait quand même pas mal. Et il va toujours vouloir revenir ici parce que il va voir une zone qui est pas plantée. Parce que regardez, si on se met là, si on plante, qu'on se met là. Qu'on part, ça enlève, du coup il va toujours vouloir revenir ici et filer des carottes à son pote, sauf que nous on va les récupérer. Voilà, donc c'est un design de Matox que je mettrai sur mon lien dans la description. Donc j'ai déjà un double chest rempli de stacks de carottes dans ma salle des coffres, j'en ai encore plein. Ici on a exactement le même champ, mais avec des patates, donc c'est exactement la même chose. Là on a un fléchier comme villageois. Donc il récolte les patates et du coup en dessous je vais vous montrer assez rapidement. C'est un peu le bordel aussi en dessous. Donc là on a le système de Matox là. Et là on a des hoppers qui passent en dessous, qui ramènent les carottes, puisque là c'est des carottes jusque là. Et donc on a un système qui permet que dès qu'on a un item là-dedans, il fait remonter sans faire de bruit. Enfin il fait du bruit mais genre juste au moment où il y a une carotte qui monte. Pas tout le temps, donc ça c'est assez cool vu que ça fait pas plein de bruit constamment. Alors je vais jeter ça là parce que j'en ai pas besoin. Hop, et du coup ça a fait remonter mon bloc normalement. Ah mince, attendez, ça l'a pas fait remonter puisque là c'était comment dire, il y avait plus de place dans ce coffre, du coup ça a pas pu aller dedans. Et voilà, donc après on a exactement le même système de l'autre côté. Voilà, moi j'ai fait tomber un truc là-dedans. Bon, c'est pas grave. Sauf que là, la différence, c'est que bah déjà, c'est la même chose. Ça arrive jusque là. Ouais, donc ça arrive ici. Et on a. Donc là, c'est le coffre où on récolte tout. Normalement. Ah mince, j'ai dû bloquer des trucs. Oh là là.
Voilà. Sauf que la différence, c'est qu'on a un levier ici qui va permettre de désactiver cette torche de redstone qui va débloquer ce hopper et qui va donc faire tomber des patates là-dedans dans ce four et qui va nous les cuire. Et après, elles repartent là-dedans et elles remontent. Donc c'est pas non plus un four optimisé. D'ailleurs, j'ai plus trop de sticks. Les sticks, ça permet de cuire juste un item, comme ça on n'a pas de perte. Ça c'est cool. Et du coup, ouais, ça permet de cuire quelques patates si jamais on en a envie. C'est pas mal. Donc voilà. Donc maintenant, on a beaucoup beaucoup de bouffe illimitée. Et le dernier truc que je voulais vous montrer. Alors, gros 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 changement que je voulais m'y attaquer il y a très 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 longtemps. Alors, oui, vous allez me dire, ça bug. Oui, c'est normal. Déjà, c'est la salle des coffres qui fait bugger parce qu'il y a plein plein de hoppers. Et en plus, bah normalement, je lag pas dedans. Mais le problème là, c'est que. Pour vous expliquer, je suis en train de défragmenter mon disque. Mon disque dur, c'est pour gagner de la place, pour l'optimiser un petit peu. Parce que ça fait longtemps que je devais le faire. Et je l'ai pas fait. Il fallait que je le fasse. Ça permet de booster un peu mon ordi. Vous la voyez que là. Voilà, j'ai bugué. Et du coup, bah, je le fais, ça me prend des FPS, ça prend assez longtemps de faire, de défragmenter, du coup, ça me fait un peu bugger. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai décoré entièrement ma maison. Alors, ouais, ça m'a pris énormément de temps, puisqu'il a fallu que je trouve, que je cherche, que je trouve des designs, que j'en invente aussi, puisque ça vient pas tout de moi. Et donc, la déco intérieure de la maison est finie, enfin, presque après, la déco extérieure, genre là. Faut que je rajoute des transats, que je fasse un petit jardin au-dessus, mais c'est pratiquement fini. Donc on va y aller. Je l'ai pas fait en épisode parce que ça me prend beaucoup de temps. Qu'il faut que je trouve des idées et tout. Alors en épisode, je pouvais vraiment pas le faire. Ou alors il aurait fallu, je sais pas, 10 épisodes pour faire tout ça. Alors de une, on arrive ici. Donc c'est assez badass. On a un escalier ici, un autre escalier ici. On a deux piliers qui soutiennent notre maison. Ici, on a un joli grand canapé qui nous permet bah, d'admirer la vue. Là, je suis en pas beaucoup de chunks, donc je vois pas très loin. Avec une jolie table basse. Donc voilà, un tapis. Un canapé avec des tapis, de la neige, du quartz. Je trouve ça assez joli. J'ai essayé de mettre des tapis à pas mal d'endroits. Pour pouvoir cacher de la glowstone en dessous, sauf qu'ici, je pouvais pas trop mettre de la glowstone parce que c'est de la neige fondée. Ça, c'est des couches de neige. Alors le truc que j'ai pas pu enlever, j'ai essayé de le faire symétrique, mais les glowstones au plafond, c'est parce que je me suis dans ma maison, j'ai pas du tout réfléchi. J'ai pas fait des planchers de deux. Genre là, j'aurais dû faire comme ça de deux. Et ça m'aurait permis de pouvoir cacher les glowstones. Bon, c'est pas très très grave, mais. Mais voilà, donc attendez, je vais devoir faire une toute petite ellipse et on se retrouve après. Voilà, c'est bon, donc. Excusez-moi pour la petite ellipse. Je devais régler un truc. Donc, alors, j'en étais où? Je sais plus où j'en étais. Je crois que j'étais en train de vous parler de la déco. Alors, donc on a les piliers, ça je l'ai déjà dit, si je me rappelle bien. On a ici une cheminée assez swag avec le feu bleu que j'ai changé. Je sais pas si j'ai fait une autre vidéo avant. Donc je sais pas si vous avez vu mon pack changer, mais bref, maintenant le feu est bleu, les underpearls sont bleus aussi. Donc voilà, ici on a des petits pots de fleurs pour faire joli. Là des rangements pour les DVD. Ici on a une petite télé, pas très grande, parce que la grande télé, vous allez voir où elle est. Ça c'est un petit pour admirer la vue. Aussi je sais pas si vous avez remarqué, mais. Enfin non, vous pouvez pas avoir remarqué, mais tout ici là est pas. Enfin tout par ici en fait. J'ai mis de l'herbe au lieu du mycélium, donc c'est beaucoup plus beau. Alors ici on a une. Enfin ici je sais pas comment appeler cette salle. Bon, c'est pas grave. Ici on a un joli petit tableau parce que j'ai aussi changé les tableaux. Ils viennent du Full HD. Non. Je sais pas si ça s'appelle Full HD. Non, Flow HD, voilà. Du Flow HD, c'est un pack moderne avec les tableaux. Donc j'ai tout simplement pris les tableaux. Hein. Il y a un tableau où il y a mon logo dessus. Le logo que j'ai sur ma chaîne, donc voilà, un petit truc assez cool si vous voulez le mettre chez vous, voilà. C'est dans les plus grands tableaux si vous cherchez. Donc ici on a un muret en pierre,
Je l'ai trouvé dans pas mal de design, ça rend assez joli, mais je sais pas ce que ça signifie. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli, on s'en fout. Ici, on a un ordinateur avec une chaise et un levier, voilà, qui fait une souris. Ce serait peut-être plus joli avec un bouton, je changerais peut-être. Voilà, après ici on a une salle à manger. Ici on a pas mal d'invités avec des tableaux encore ici, donc, que j'ai aussi changé. Donc ici on a des invités avec des grandes chaises. Et ici on a une petite bibliothèque avec un petit coin lecture pour les enfants s'ils veulent jouer ou je sais pas quoi, si on a des enfants, voilà. Après, je bug toujours à cause du truc de mon disque, là ça a pas changé. Ici on a une petite marque au plafond, c'est à cause de l'étage d'au-dessus. Ça va, ça choque pas tellement, enfin un peu quand même, mais bon. Bref, ici on a une cuisine, donc avec une petite table pour manger quand on n'a pas d'invité, normal, tranquille, avec des pots de fleurs parce que c'est toujours joli. Ici donc on a une hotte avec les carpettes, donc il a fallu que je mette du fil. Avec des petits sièges si on veut prendre son déjeuner ici ou je sais pas quoi. Avec des fours ici pour cuire aussi. Voilà, des petits rangements. C'est assez joli. Ici on a, oula, je buguais, des robinets avec des placards. Ça je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas ce que je l'ai trouvé dans un design, ça je sais pas ce que c'est, ça rend joli, donc je peux chercher. C'est une sorte de grille-pain. Je voulais faire une machine à café mais je suis pas arrivé. Donc c'est pas grave. Là il y a des boutons pour faire genre des tiroirs. Ici on a un petit tableau. Là on voit l'escalier, on peut voir dehors aussi. Donc voilà, c'est tout pour la cuisine. Après qu'est-ce qu'on a? Je baisse un peu mon son. Voilà. Donc ici on a deux escaliers de part et d'autre de la maison avec les deux mêmes tableaux des deux côtés. On a aussi une autre entrée. Que j'avais prévu assez swag par là, donc on marche sur le petit chemin tranquille et tout, et on monte par là. Il faudrait que je mette de la neige derrière les vitres pour pas qu'on voie derrière ça. Donc là on monte et ça toujours, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Donc ici on a un petit chemin pour aller ici. Alors là on a le chiaise. La chaise du boss qui se met là, si jamais il reçoit des gens pour le travail, ils se mettent là et voilà. Il y a un petit bureau avec des canapés pour admirer la vue aussi. Là on voit pas mais il y a plein admirer tous les meubles qui tombent de la X-Mob. Là aussi un autre canapé. Pour cet étage je savais pas trop quoi mettre ici donc j'ai fait ça. Alors ici on a une chambre pour les invités. Donc avec des rangements ici pour ranger leurs petites affaires. Un tapis, une chaise, un petit ordi s'ils veulent jouer. Là, un petit placard, une petite fleur et une petite télé parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir une télé et un lit avec des feuilles à côté. Je trouve ça assez stylé. Et là, avec un mur derrière pour le lit et on a un petit passage derrière qui permet d'aller sur le balcon. Hop. Et voilà, donc là on a. J'ai mis pas mal de tableaux dans cette maison parce que ça rend vraiment joli. Surtout quand on les change et qu'on met des beaux tableaux. Ça rend très joli. Après ceux qui ont les tableaux de base, je sais pas si ça va rendre très beau. Donc ici on a la salle de bain avec des petits rangements ici. Ici un genre d'étendoir pour étendre sa serviette. Une fleur, des tapis et une douche. J'ai l'impression que ma voix est bizarre, je sais pas pourquoi. Donc ici on a un petit panier à linge. Assez stylé, moi j'aime vraiment bien. Je trouve ça trop joli. Ici on a une baignoire avec un genre de pilier pour s'appuyer quand on sort de la baignoire pour étendre sa serviette ou je sais pas trop quoi. Ici on a donc encore des tableaux avec des robinets. Et des lavabos, voilà. Et ici on a encore des petits rangements pour ranger des trucs. Et en même temps on a une vue vers dehors avec le balcon. Hop. Donc après on passe au dernier étage qui est ma chambre. Donc alors le toit est en
Je rec toujours. Parce que je me suis déco-reco depuis la dernière fois. Donc le toit est en terre parce qu'au-dessus, il y aura sûrement le jardin, mais à mon avis le jardin je vais le surélever. Donc il n'y aura plus le toit en terre, donc faites pas attention. Hop, je skyperai avec Zagam après. Du coup ça c'est ma chambre, assez stylée. Je montre. Alors je montre ma maison. Voilà. Donc ouais, c'est ma chambre, du coup j'ai fait un truc badass, vous voyez. Donc là on a un joli lit avec des tables de chevet, avec bien sûr une magnifique vue juste derrière notre tête. On peut voir beaucoup de choses parce qu'on est assez haut. Attendez, si je me mets en 16 junk, je sais pas si je vais bugger encore plus. On a une magnifique vue vers l'île et une vue mer aussi, c'est super beau. Après les arbres. En même temps, je crois que ce gars n'a pas de maison. Enfin, il vit dans un village. Si, il a une maison, une petite maison. Donc, j'ai fait des arbres qui rendent vraiment très jolis avec les pots et les cactus. C'est un très beau design. Alors là, j'ai mis des tableaux. Ici, bien sûr, il y a du crash. On a la giga télé pour pouvoir regarder la télé quand on dort. Donc voilà, c'est cool. Ici, on a des canapés. Si on veut se reposer dedans ou je sais pas lire un livre tranquille, même si lire un livre c'est pas tellement mon truc. Ouais bref, là on a aussi des tables avec des petits, enfin je sais pas, des genres de mini bureaux avec des plantes. Et là bien sûr l'ordi logique. Donc on a encore le siège du boss, le gros siège en tout blanc avec un grand écran. Un beau clavier, une souris et encore le truc là. Après là on a des rangements là aussi et voilà, je savais pas tellement quoi mettre, donc c'est déjà pas mal. Donc l'épisode va durer beaucoup de temps je pense. Bon, ça suffit quoi, ça fait un bon épisode avec beaucoup de d'avancées dedans. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que ça fait pas mal de temps, enfin j'aurais fait beaucoup de choses dans cet épisode. D'ici le prochain, je pense qu'au prochain épisode, on s'attaquera. Je vous montrerai comment faire une usine automatique, 100% automatique, à pastèque ou à citrouille. Enfin, les deux plutôt. Ouais, donc on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner. Moi, en tout cas, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.